Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Astrénome. On se retrouve juste avant Irkoutsk. J'ai mis en place une escouade solide de 10 personnes du coup. J'ai emmené pas mal des nouveaux pour qu'ils fassent un peu leurs preuves. Et en même temps, on a un certain nombre de personnes connues, on va dire. On est quasiment équipé au moins en level 2, si ce n'est en level 3. Notre stock est toujours un petit peu tendu. Je pense qu'il va falloir qu'on voit pour éliminer peut-être quelques armes level 1. Ça prend un peu de place. Et on va essayer d'utiliser nos obus d'artillerie probablement dans cette mission. Histoire d'enlever un peu de poids et de faciliter. Si jamais on a des gros groupes d'ennemis, on s'emmerdera pas. On balancera direct l'artillerie dedans. Voir un peu ce que ça donne. Et puis après tout, on attendait ce train, donc, enfin ce wagon. Donc on va... regardez un peu ce qui nous attend. Alors, Baba Yaga 3. Ah, la Baba Yaga. Votre train s'est arrêté dans une petite gare. Vous ne vous attendiez pas à en trouver une dans cette région si reculée. D'ailleurs, elle n'était indiquée sur aucune carte. La gare a l'air récemment rénovée, mais elle est vide et abandonnée. Son nom est inscrit sur un panneau près de la voie ferrée. On va faire une pause. Miroslav reconnaît immédiatement cette sensation. Il empêche Joseph et Joseph... Joseph et Joseph Lévi d'entrer dans la gare. La troisième sœur, elle doit être près d'ici. Trouvons sa cabane. Qui ça? Je croyais que j'avais rêvé. Ça vient d'elle qu'on a vue. Ce n'était pas un rêve? Ah, mais oui, ça me revient. Allons-y. Ils suivent un petit chemin rocailleux qui s'enfonce loin dans la forêt. Bientôt, une délicieuse odeur de viande rôtie les guide jusqu'à une petite cabane en bois. L'intérieur est éclairé par une lanterne munie d'une seule bougie. Sa lumière révèle la troisième sœur. Mes chers soldats, que diriez-vous de jouer à un petit jeu avec moi et de souffler dans mes cornes? Ok. Les soldats amusés acceptent. Ça lui fait très plaisir, ils ignorent tout du danger qu'ils courent. Elle les invite dans la cabane et les mène à trois cornes, puis elle attend en silence. On va demander la permission. Allons, allons, bien sûr que vous pouvez souffler dedans, autrement je ne vous aurais pas demandé de le faire, n'est-ce pas? Ouais, mais... ça sent l'arnaque! Soufflez doucement dans la première corne. Tandis que Joseph souffle doucement dans la première corne, un bruit aussi puissant que 1000 sirènes retentit. Leur hôtesse semble contrariée par sa bonne décision. Ah, la chance du débutant. Soufflez dans une autre, mes chers soldats. On va souffler le plus fort possible dans la deuxième corne. La vieille harpie écarte d'un rire malsain et se lèche les babines. Elle semble aux anges. Soudain, elle apparaît à côté de Miroslav et le poignarde à l'épaule. Vous êtes sorcière, qu'est-ce qui vous prend? Endurcis par les ordres de la guerre, les soldats ne se laissent pas démonter par la sorcière. Ils pointent immédiatement leurs armes sur elle. Surprise par leur réaction, la vieille femme prend la fuite. Vos soldats n'ont nul besoin de la rattraper, ils repartent aussitôt. Ok. Bon. Je me suis fait blesser comme un débile. En même temps, on n'avait pas vraiment d'indice. Il nous avait dit qu'il ne faut pas accepter la nourriture, mais par ça... Je me souviens pas d'une histoire de corne. Bon, en fait, il était déjà en train de se faire soigner, lui, donc comme ça, au moins, ça va jouer. Par contre, le moral qui descend, comment se fait ça? Ça enlève du moral, ce truc-là? Ah oui, moins 1 au moral par heure, la vache. Ils peuvent perdre, du coup, 24 de moral. Ouais, ça va, il y a 100, ça reste correct. Il va en perdre encore 4. Hein. Et après, il sera soigné. Bon, ça va. Ça va, c'est pas critique. En route. Bon, on a un peu raté le troisième événement, tant pis. Je me demande ce qu'on aurait pu avoir si on avait fait les trucs, mais bon, à part y aller à la chance, vous me direz dans les commentaires si vous pensez que il y avait moyen de faire mieux au niveau des choix. Rotislav qui devient adjudant, parfait. Et nous voilà arrivés à Irkoutsk. C'est parti. Un niveau d'ouvrier pour elle, on va le prendre au cas où on ait besoin de défendre le train pour une raison ou une autre. Commencer la mission, direct. Bon bah, go. Notre train se dirige vers Irkoutsk, sous un ciel menaçant. La ville est divisée non seulement par la guerre civile, mais aussi par deux larges rivières. Certains de vos soldats sont déjà tendus, nerveux. Ils s'inquiètent sans doute à cause du train de ravitaillement. Cependant, l'idée de recevoir des rations supplémentaires entretient leur motivation. Vous trouvez votre conseiller en train d'inspecter les stocks. Il vous fait un signe de tête grave, mais vous laisse parler avant lui. On va lui demander des nouvelles. On va pas lui dire « Hey mec, je voulais un rapport !» C'est bon. Oui,
L'armée rouge a une forte présence en ville. Ils rassemblent leur soutien, mais il n'y a pas d'affrontement avec les blancs, du moins pas encore. Quand on entrera le ravitaillement, ils devraient nous attendre. Je vous recommande d'envoyer une escouade sécuriser la gare à l'avance et contacter l'unité de l'armée blanche. Ouais, on va y aller, carrément, on y va. On fait confiance ni aux rouges, ni même limite aux blancs. Ceux qui sont ni blancs ni rouges, bah écoutez, pour le moment il n'y a que des blancs et des rouges, donc... Parfait. Měli byste vědět, že vůbec nedorazil. Co tím myslíte? Vždyť to bylo dohodnuté. Naši vojáci mají hlad a... Kapitáne, já nevím. Měli jsme plné ruce práce, abychom udrželi kontrolu nad městem. Řada mých vojáků zemřela. To mě mrzí. Informace od naší prozatímní vlády jsou nejspíš zastaralé. Rodiny vrbovali spoustu sympatizantů ve městě a zaútočili na nás neskutečnou silou. Naše jednotka ustoupila na tuto stranu mostu a dobranila nádraží. Ale my jsme pod velmi silným tlakem. Jestli Rudiv obsadí most, je všechno ztraceno. Moji muži, tohle nádraží, váš vlak, všechno. Takže vám pomůžeme a postaráme se, aby se to nestalo. Počuvám. Alors, sécuriser le pont. Ok, qu'est-ce qu'on a pour sécuriser ce pont? Pas grand-chose, visiblement. Quelques mecs, quelques fusiliers. Ok, très bien. Bon. Alors, première chose à faire, le loot. Poslouchám. Toi, tu vas t'occuper de ça. Pripravený. Un autre qui a la vitesse, tu t'occupes de ça. Tak. Tous les autres, donc à l'exception de toi et de toi... Vous allez courir, courir jusqu'ici déjà. Ça sera un bon départ. Même dans les tranchées, tiens. Direct. En avant. Côte à looter. Tu vas nous chercher ce qui est ici. Côte à looter. Tu vas nous chercher ce qui est ici. Bílí u mostu nedokážou ustát ten nápor. Majore, jestli Rudí obsadí most a dostanou se k nádraží náš hlad a všechno na něm bude ve smrtelném nebezpečí. Attention du coup aux explosions. Rozkazy! Lui, il a ramassé ce qu'il fallait en avant. Když myslíte... Attention à lui, là, il est en train de potentiellement traverser la zone. Rozkazy, pane? Ouais, c'est du temps. Nepřítel! Toi, repars looter. Donc, il faut qu'on sécurise le pont rapidement. Ah oui, ils se sont fait massacrer la mouille. Alors, on va mettre un mitrailleur là. Avec un grenadier. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Toi, tu vas défier un petit soutien. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Allez, et toi du coup, on va avoir besoin de toi. Ah, il y a un petit overlay qui a été ajouté pour qu'on voit où on a mis des mecs. On va avoir besoin de toi là. Ah oui, si on y arrive à temps, bien sûr, parce que ça va être compliqué. J'avoue, on court un petit peu au milieu de la pampa au face de là. Allez, en position. En position. Toi. Déplacé, vas-y. Chute-moi ce débile. En toute amitié, bien sûr. Ici, on a looté. Donc, on peut aller se mettre en position. Ici. Pour l'instant, les grenades, c'est pas forcément. Doufám, že se nikdy neocitneme proti sobě. Kapitáne Belové, přišli jsme kvůli zásobovacímu vlaku, který slíbili vaši vůdci. Co se stalo? Běžte do města a najděte ostatní dotky Bílé armady. Nebo to, co z nich zbylo. Možná budu o tom zásobovacím vlaku vědět. Do města musíme tak jako tak. Zásoby nám už stejně docházejí. Ano. Vaše rozkazy, pane? Bon, manquer tout, c'est peut-être pas le mot, mais... J'avoue que ce serait pas mal de trouver un petit peu de monde. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Non, ça va, s'il n'y a pas de...
Y a rien. Bon, de toute façon, ça, c'est pas un fleuve qu'on va traverser comme ça, donc on n'a pas le choix. On est obligé d'avancer par là. Par contre, on peut y aller en mode peut-être un peu plus discret que ça. Donc toi, tu viens t'y mettre ici. Alors là, il y a un mec avec une Maxime. Pas cool, ça. Il tire jusqu'au pont. Il peut couvrir le pont. Ça fait pas plaisir, mais il nous voit pas. Donc l'objectif, c'est que le seul qui peut nous voir, c'est lui. Non, il y a lui aussi. On peut tenter de se débarrasser de celui-là. Ah non ? Daleko ne uteče. Što je to bilo ? Ok, c'est raté, on dirait qu'il nous voit. Non, il nous voit même pas. Ok, très bien. Bon. Préparez-vous. C'est vrai qu'au niveau couverture, c'est un peu de la merde par contre. Reculez. Alors, peut-être pas forcément les plus pertinents qui sont restés là, mais. Vas-y, toi recule, on va envoyer lui devant à la place. Créem ça. Rozkazy. Mettez-vous en position, les gars. Toi, c'est pareil, par ici. Toi, il y a déjà quelqu'un là. Viens là. Restez pas debout au milieu de la pampa, s'il vous plaît. Place ta mitrailleuse. Bon, okay. Pas si mal. C'est pas si mal. Maintenant, en vrai, je pense que l'objectif, ça pourrait être de se débarrasser de ça avec notre bonne vieille artillerie, du coup. On va demander à notre propre bombardement. Ah oui, c'est carrément deux missiles. Alors, est-ce que ça nous consomme deux munitions? Je ne sais pas. On verra ça. Alors là, il y a un mec, il va nous voir, demi-tour, on va lui mettre une petite balle dans sa mouille. Ok, c'est fait. Jetons un œil quand même à ce qui nous attend. Là-bas, il y a un type qui, d'accord, il y a des gens qui se... Carrément, ils sont en mode tenir la zone, là. Ok, go. Créem ça. Faut le sauver. Je m'attendais presque que ce soit des survivants légionnaires, mais pour l'instant c'est des survivants blancs. Alors, on pourrait envoyer nos fusiliers sur le flanc là. Ça me paraît une bonne idée. Il y a un autre mec là-bas, excellent, on va le cerner pareil, enfin on va le flanquer pareil. Nikdo se vás o pomoc neprosil. Zvládali jsme to sami. Ale než se dostaneme z města, asi tady velíte vy. Rozkazy, pane? Jdu do krytu. D'accord, on le dirige. Připraven. Excellent. Podívám se. Le mec, il est reconnaissant, c'est ça qui fait ce qui est bien. Rozumím. Alors, du coup, il y a un petit peu de loot par là. On va jeter un œil quand même à Conjunel, là, dans les rues. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a un mec qui glande. On peut se faire par ici. Là, il y a deux types qui glandent. Et ici, il n'y a personne. Très bien. Bon. Quoi ? Viens là. Mets-toi en mode fufu et va nous découper celui-ci. Il va se retourner au dernier moment, ce con. Non, c'est bon. Hop, toi viens là. On va balancer une petite grenade sur eux. Est-ce que c'est vraiment utile en vrai? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Le loot qui est ici, c'est du métal qui est là. On peut aller le chercher. Franchement, les deux là, ils ont une vision, ils servent à rien. C'est pas la peine de s'emmerder. Faire une petite reconnaissance avancée, voir s'il y a du loot qui traîne. S'il n'y a rien, ici il y a un mitrailleur qui tient, mais on va pouvoir le contourner
Ano. Avec genre zéro problème. Nepřítel. Là, il y a quand même un petit peu plus de monde. Pane, ici, il y a du loot. Se. Carburant, principalement. Alors, dans la rue, ça donne quoi? Un type en défense, là. Il y a des ano, cadavres. Pane. S'il n'y a rien, ano, s'il y a, bah, y a un petit mec. Il y a un petit peu de loot. Et là, c'est le bord de map. Il n'y a rien d'intéressant de plus. Ok, très bien. Ano. Donc, en gros, on passe par ici. Rozumiem. Alors attention, il y a une porte là. Čekám. Dingue. Jsem připravena. Rozkazy? En position défensive, dès qu'ils sortent, vous me les pétez, vous me les allumez. Voilà. Le one shot là, il a fait preuve. Ah putain, il y en a d'autres là. Vous là, mettez-vous par là. Il s'est planqué là. Non, oh, il est à poil. Ok, très bien. Ah merde, il y avait Sarah qui était pas couverte, mais elle a rien pris, donc excellent. Du coup, bah, on va pouvoir traverser, hein, on va pas s'emmerder. Le mec qui est ici, c'était le mitrailleur qui est venu, j'imagine. Et, parfait. On ramasse ça. Là, il y a un mec, mais on va contourner par ici, tant qu'à faire. Alors, restez là deux secondes. On va jeter un œil. Il y a des survivants, là. Okay. Tant qu'on arrive, à mon avis, il y en a au moins qui va mourir, puisqu'on doit en trouver que certains. On ne va pas en trouver autant. Non, ils prennent pas de dégâts, ça va. Il y a du monde, quand même. Alors, toi, tu viens là. Oh, il y a du peuple. Il nous faudrait un mitrailleur ici. Un autre mitrailleur là. Toi, tu viens là. Vas-y, une position. Ouais, shoot celui-là. Ouais, allume-lui. Ouais, shoot celui-là. Ok, il y a un assaut par derrière. Très bien, demi-tour. Ici. Prenez cette position. Ok, on est collé au cul. C'est fait. Du coup, on a récupéré ces deux mecs un peu blessés. Toi, faut que tu lâches ta mitrailleuse. On va les soigner, on a largement ce qu'il faut. On va faire un petit cambriolage là sur le puits, non? Ok, next. Cette église, là-bas il y a un petit peu de loot, ok, parfait. Derrière, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des ruines. Ou là-bas, il y a pas mal de loot, des munitions de fusil, du tissu, il va falloir qu'on aille chercher ça. Clairement. Il n'y a pas l'air d'avoir masse d'ennemis par contre. C'est bien sûr plutôt positif. Donc, il nous faut un mec qui court vite. Tu vas là-bas. Tu cours moyen vite, toi. On va se placer par là. On va prendre. Toi. Tu ramasses ça au passage. Il y a la cloche qui sonne, mais il n'y aurait rien à voir avec nous. La rue semble calme. On se tente de traverser. Je pense que oui. On est joueur. On va prendre position dans le marché là. Ok, on va prendre toi. T'es en train d'arriver. Oui, ils sont aussi lents les mecs là. Ah, mais ils sont en discrétion. J'avais pas vu. Ça y est. Ah, t'es en discrétion. C'est pour ça que t'étais lent.
Du coup, maintenant que t'es moins lent, va chercher ça. Compte sur toi pour faire le petit tour. Ça, c'est un peu loin, mais on tente quand même. Passe. Voilà, quoi de mieux qu'un alcoolique pour récupérer tout ce qui se traîne. J'ai envie de dire. Il fait le café. Alors, si je ne m'abuse ici, il y a quelque chose. Une mitrailleuse. Voyez-vous ça? Ouais, va prendre ça. Alors, déjà, tout le monde. Venez prendre cette tranchée. Sauf toi. Prends la mitrailleuse. Et les deux qui vont devant, là, on va les... Je sais pas qui c'est, mais on va les mettre ailleurs. Alors, du coup, on voit un mec là-bas. Ah non ? Ah oui, il se fait carrément flanquer, le mec, là. Bon. Il nous faut de l'efficace. Il nous faut toi, il nous faut toi, il nous faut toi, il nous faut toi, et il nous faut toi. Zaujímám pozici. En position dans l'ordre. En position jusqu'ici. Il y a de l'ennemi, sans surprise. Toi, lui, il est planqué, vas-y, snipe-le. Ok. Přežilo jich tak málo. Rudých tady musí být mnohem víc, než jsme si mysleli. Přidala se k ním spousta místních. Než jsme na tu hrozbu přišli, bylo příliš pozdě. Víte, co se stalo tomu zásobovacímu vlaku? Zásobovacímu vlaku? Ne, pane. Zbraně a munice jsme hromadili na náměstí. Pokud kolem náměstí postavíte obranné pozice, možná bude mít konvoj šanci. Když jsme ustupovali, nejspíš jsme tam nechali nějaké to dělo nebo těžký kulomet. Jestli tam pořád jsou, použijte je. Dělo? Tak to beriem. Nuže dobrá, došli jsme až sem. Můžeme si aspoň vzít munici, kterou jsme spotřebovali. Kapitán Belov se o zásoby určitě rád podělí. Vděčíme vám za život. Ok, ils vont arriver de là et de ici. Alors, c'est parti, les gars. Ano. Hop, toi tu vas poser ça là. Ano. Toi, tu nous en poses une. Tak, to ici. Bude stačit. On a droit à eux là. Excellent. On va les utiliser. Toi, t'as déjà la mitrailleuse. On va mettre des mecs pour donner de la vision. Un mitrailleur de chaque côté en renfort. Toi, t'as une portée de jusqu'où? Je peux pas le voir. Si, c'est bon. T'as une portée jusque-là. Ok, parfait. On va déjà placer ça. On va mettre un petit soigneur tout là-bas. Ah non. Vous deux, vous me prenez ça. Kto vyhazuje muníciu uprostred námestia? Nějaký hrabivec, který vynechal školení o bezpečnosti a chce šílenou smrt? Du do krytu. On va mettre un peu de monde par là pour flanquer en espérant qu'ils arrivent pas par ici. S'ils arrivent par ici, on se repliera. Pripravený. Il y a encore un bout de loot là-bas, mais je suis pas sûr. Je pense qu'on est trop loin. On va vérifier. Alors toi, du coup, c'était pas idéalement placé. J'aimerais que tu sois là. Ici, est-ce qu'on peut aller ramasser ça? On peut aller ramasser ça. Parfait. Toi, replie-toi. On va te vouloir ici, par exemple. Toi, t'es en train de poser ton truc. Replie-toi. Jusqu'ici. Alors, théoriquement, il devrait parier par là-bas, donc c'est pareil. Toi, on peut te mettre là. Déploie ta mitrailleuse. Lui, il a ramassé le loot. Il faut qu'on s'arrache de là. Ici, on manque un petit peu de force. On va les mettre... Lui, en bonus. Il n'y a pas une position au milieu, là. Parfait. Parfait, parfait. Ici, on a le canon pour nous aider. Ça devrait quand même, je pense, faire le taf. Toi, t'es quand même un petit peu à poil. Mets-toi par là, plutôt. Et on n'est pas trop mal, hein, en termes de position défensif.
position défensive. Pardon. Après, on va voir ce qui nous arrive dessus. Mais... En tout cas, ça semble prometteur. Non, j'ai pas déployé la mitrailleuse. Vas-y, déploie la mitrailleuse. On a un mec de chaque côté pour essayer de sniper les grenadiers qui voudraient nous emmerder. Y a peut-être un truc à faire. Ah non, ça y est, ça bouge. Ok, il y a bien des mecs qui arrivent par ici, donc... Ce serait peut-être bien que... Toi plutôt, t'ailles te mettre là. Donc, il va y avoir de la... Ils ont des couvertures ici. D'accord, ils envoient des camions. Ok, très bien. Faut qu'on protège les camions, du coup. Je vois. Nouvel assaut ici. Quoi ? C'était quoi, ça ? Il y a des mecs qui ont déclenché l'explosion de notre mine, ici. Ça me plaît pas trop, mais c'était malheureusement prévisible. Là, on a du bol, ils longent. Чекам на розкази. До того. Какого чёрта? Merci. Merci le canon. Pripravený. Predo mnou sa neschováš. De l'autre côté, mais de l'autre côté ils ont une bonne zone de course à découvert avant d'être à couvert, donc c'est cool. Neptitel. Et pour le moment ça tient. Si nous vous envoie que de l'infanterie, ça devrait le faire. Il nous envoie plus lourd, bah va falloir muscler les bras. Ah non, il va marcher en plein milieu sur la mine, lui, ce con. Merde. Bon, dommage. Ok, bon, il y avait une voiture là, mais vu qu'on est bien à couvert, ça passe. Lui, il est bien à couvert aussi, c'est gênant. Où est notre... Attendez, j'ai pas mis de... mec de ce côté-là? Il est où l'autre? Ah non. Ah, il est planqué derrière le... Lui, il est pas à couvert, en fait. D'accord. Mets-toi à couvert, lui. Oh, toi de lui. Ça fait... commence à bien faire, là. Voilà, merci. Donc là, il y a du peuple. On tire dans le tas. Il nous charge, mais voilà. Alors, ça serait bien que le canon il se bouge le cul, par contre. Ah, limite, si on peut détruire ça, c'est pas plus mal. Ok. Ça, c'est plus gênant, par contre. Ça, c'est plus gênant. T'as quoi comme portée, toi? Une portée suffisante, on va dire. Ah putain, il s'est arrêté un chouï trop loin. Bon, ok. On va y aller comme des sacs. Bah ouais, là, ça pique, forcément. Voilà. Allez, fais-moi les malins, là. Vaše plány, pane? Útočím. Ils sont à terre, eux. Non, ils sont pas à terre, mais... purée, ils ont mangé, quand même. Hein. Vas-y. Je vais mettre un petit coup de soin. Si on vous revoit un tank arriver sur ce flanc, il faudra qu'on recule. Au moins pour éviter le décès. Ça tombe bien, on avait plein de... il n'y a pas eu le temps de surcharger. Vas-y. On avait plein de kits de secours. Et on est tout un peu loin, histoire de tant qu'à faire pas être trop exposé. Trois blessés, là. Et encore, on avait inspiré la prudence et présence rassurante, là, parce que... on aurait douillé. Dokončili jsme nakladko zásob. Nakladáky už odjíždějí.
Udržíme tuhle pozici a zajistíme evakuaci. Quelle bonne idée. Justement, je me disais qu'on était en pleine forme, nos chargeurs sont pleins. Vraiment, on fait exprès le coup du canon qui a du mauvais côté, quoi. Ils vont arriver sur un endroit inattendu. Et est-ce qu'il faudrait qu'on recule parce qu'ils vont flanquer? Je ne sais pas. Ah non. On va commencer à envisager un repli, je pense. C'est un peu trop calme à mon goût, là. Enfin, cela dit, il faut toujours qu'on tienne cette zone. Hein. Donc, ouais, non, en fait, on va peut-être rester là. Quand même. On va utiliser des petites jumelles. Voir un peu. Enfin, de toute façon, c'est le bout de zone ici. Ok, les camions, ils sont barrés par où, par là. Probablement. Reprends ça, toi, du coup. Základňáky odjeli v pořádku. Ok, parfait. Ustupte přes most dřív, než se rudí vrhnou na naše pozice. Ne, město zaplavili rudí a všichni jsou na cestě sem. Mají tanky. Už nemůžeme čekat. Riskujeme všechno. Vyhoďte most do povětří. Vojne, Artyome. Oni nás opustili. Už zase. Nejdřív ten ztracený zásobovací vlak, teď most. Bylo to zařízené. Měli jsme dohodu. Já to nechápu. Možná není všechno ztraceno. Jestli se dostaneme k molu, můžeme přeplout řeku pomocí přivozu, a? A na nádraží se setkáme s lidmi, kteří vyhodili do povětří most a nechali nás v obklíčení rudých tanků. Příteli, jsem si jistý, že pro kapitána Belova to nebylo snadné rozhodnutí. A pro jeho muže už vůbec ne. Ke svému vlaku se budete moct vrátit v míru. Prosím, pospešme si k tomu přivozu. Ok, c'est la merde. Du coup, il faut qu'on s'arrache. Parce que celui-là, je pense qu'on va pas se le faire comme ça, là. Là, on est sur du bon gros char d'époque. Que maintenant, on fait 100 fois mieux, mais que là, on fasse maintenant tout de suite, je suis pas serein. Donc, on va se tirer ailleurs, à Rapidos. Mais on verra ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour plus de massacres. Ciao, ciao tout le monde!